Tout ça est incorporé. Il s'agit
de la République, les insignes du pouvoir, au nouveau président de l'Assemblée nationale, accompagné de son bureau. Désormais, l'Assemblée nationale a République démocratique à partir d'aujourd'hui un bureau qui va présider à la destinée de l'exercice est bel et bien. À la remise des signes du pouvoir, au nouveau président de l'Assemblée nationale. C'est Monsieur Longoua, Changer qui
Et on va encore voir de la tête. Il y a plus de Mais comme nous avons dit, notre ambition est de résoudre ces paradoxes de la représentation, de la chambre qui en principe n'est pas le peuple, mais et qui siège au palais du peuple, mais qui malheureusement, a des difficultés en termes d'image vis-à-vis de la population. Aujourd'hui, l'image du député est très négative auprès de l'opinion. Et notre travail, c'est surtout sur deux points. Le premier point, c'est d'abord faire en sorte que, au sein du Parlement, nous prenions à bras le corps le vrai problème de la population, tel que fixé dans les 6 priorités dans les chefs de l'État, c'est-à-dire l'emploi, la sécurité, les besoins sociaux de base, la diversification de l'économie, la revalorisation des services publics et d'autres. Si ces questions sociétales font l'objet de débats de notre Assemblée, deuxième étape maintenant, c'est que, avec le concours de la presse, parce que nous sommes le porte-parole de l'Assemblée, montrer que les députés s'occupe de la population, rendre transparent, visible cette implication de l'Assemblée. Donc voilà les deux axes de notre approche pour résoudre cette crise de confiance et faire en sorte qu'il faut reconnecter les élus avec leurs électeurs. Vous, tout à l'heure, on parlait ensemble avec vous hors micro. Vous avez eu à nous exposer autour des innovations. Vous, en tant que responsable de la com, qui va assumer la communication de l'Assemblée nationale, mais également presse communication, comment vous allez mettre en place une innovation pour faciliter les professionnels des médias de travailler bien au sein de l'Assemblée nationale? Au-delà de la démocratie participative dans laquelle la presse va jouer un rôle important. Nous voulons établir aussi une relation de confiance avec la presse. Nous allons travailler ensemble pour l'accréditation des journalistes parlementaires. Nous allons faire en sorte que ces journalistes parlementaires trouvent des conditions de travail avec une salle de presse s'il faut. Améliorer, par exemple, la connectivité de l'Assemblée. Vous imaginez que cette Assemblée n'a pas d'accès Internet. C'est quand même quelque chose d'assez particulier.
Donc nous voulons faire la migration vers la numérisation du travail parlementaire. Bref, nous voulons que le travail parlementaire soit connu de tout Congolais et que pour cela, nous avons besoin de l'accompagnement de la presse. Et ce sont sur ces questions-là que nous allons travailler. Honorable, merci. C'est moi qui vous remercie. Maman Marguerite Tachem. Le ROR 932. Cette requête-là n'a pas encore abouti, même si ce matin, il y a eu désistement de l'honorable mon collègue Mbosso Nyamwisi. En droit, vous le savez très bien, devant la justice, l'affaire ayant été prise en délibération, la justice ne répond pas par un courrier. Il faudrait attendre que l'arrêt du Conseil d'État soit rendu. Et lorsque l'arrêt sera rendu, si réellement le désistement qui a été déposé aujourd'hui à mon édiforme, en retard bien sûr, est accepté à ce moment-là, ça peut nous permettre, nous ici, en tant qu'Assemblée nationale, d'organiser les élections. Donc, c'est pour dire que ces élections ici, moi je vais déjà les attaquer au Conseil d'État, puisqu'elles sont entachées d'irrégularités. On ne peut pas prétendre être le temple de la démocratie et violer les principes fondamentaux du droit. Voilà même l'essence de la motion de procédure que je voulais faire. Malheureusement, comme vous savez très bien, il n'y a pas encore de démocratie. Il y a, ici, on m'a même refusé, alors que la motion a priorité sur les interventions. Et ma démarche n'est pas une démarche contre qui que ce soit. Ma démarche était tout à fait impersonnelle. C'était juste pour dire que nous devons respecter la séparation des pouvoirs qui est chère au chef de l'État. Chaque institution a sa mission. Nous ne pouvons pas dire, puisque nous sommes Assemblée nationale, nous devons passer outre les procédures judiciaires. C'était ça ma démarche. Donc, je suis convaincu que si réellement les droits étaient dits, l'élection d'aujourd'hui pourrait être annulée par le Conseil d'État. D'autant plus que vous avez pris vos dispositions pour ne pas participer, mais vous avez quand même participé. J'ai participé, j'ai voté à blanc, sauf pour les personnes de l'Assemblée nationale, puisque le cas de Vital Kamerhe, c'est un cas déjà sur lequel tout le monde s'était mis d'accord. Mais pour nous, l'Union sacrée, nous nous étions mis, et malheureusement, on n'était pas d'accord sur les autres cas. On a juste identifié les forces politiques par rapport à leur poids politique, si je dois faire la tautologie. Mais lorsque vous voyez la façon dont l'étiquet a été présenté, c'est déjà une violation même de charte de l'union sacrée de la nation. Et je dois dire ici, vraiment, vous savez, ça me fait très mal de voir qu'il y a des collègues juristes ici, des collègues professeurs, enseignants comme moi, mais qui privilégient la politique au détriment du droit. L'union sacrée, c'est un fait privé. Aucun député ici, sur les 477-480, n'a été aux élections sur la liste de l'union sacrée. De quel droit l'union sacrée présenterait une liste? C'est en violation de la loi électorale. C'est en violation aussi du règlement intérieur, notamment les articles 27 et 28, qui parlent de la majorité. Notre majorité n'est pas union sacrée. C'est la majorité de partis politiques et regroupements ayant gagné les élections. Donc c'est aussi une entorse. C'est vrai, moi je suis cofondateur de l'union sacrée, mais l'union sacrée c'est un fait privé. C'est un aspect. Vous savez que l'union sacrée n'est même pas enregistrée, les statuts ne sont même pas reconnus au ministère de l'Intérieur. Honorable, merci. Merci beaucoup. Ah.
5 étoiles. System Space, c'est la joie. Nous nous attendions certes à cela, mais nous ne savions pas que cette victoire serait aussi ample. Et nous remercions les députés nationaux qui ont fait preuve de beaucoup de maturité. Et c'est la consécration. Et c'est le fait que les Congolais qui gagnent, parce que nous aurons une gouvernance parlementaire responsable. Et ce sera tout à l'avantage de la RDC, en particulier à l'avantage du chef de l'État, qui aura un allié de poids pour l'aider, l'assister dans sa diplomatie parlementaire. Et quel conseil vous pouvez donner au président Kabiré par rapport à cette législature? Non, je connais assez l'homme, je sais qu'il fera mieux que ce qu'il a déjà fait, qui était déjà trouvé par les Congolais comme étant quelque chose de formidable. Président Kabiré, bonjour. Bonjour, mon frère. Oui, normalement, il faut valider en gros. Le cola au Bissoto Benga AK-47, Mwanamboka au Viste Kabuya, au Azali, l'issue à Mokonzamboka, Dengue, Mbimaki, Ango, Bissoto, la collaborateur, Naito Rondimango directement. Donc, doute et Rosalate. Et Namoni déjà, Wana, Ndekonabiso, prof Tulumbai, Oyo, Arozala Wana, pour travailler surtout dans la vision de Mokonzi Mboka. Et puis, Biso, Bakongoman, tout ça, il y a une modification de la constitution pour tout ça, na posa ya Mboka Oyo. Mon Mboko, on a mon nino, y a un Zali, pour Makambo Efanda, il faut jouer à moi tant. N'ayabi que Ndekonabiso, ba député Oyo, Bazali Awa, Bako Sungabiso va mettre un peu pour modifier en gros et qui date un mandat il y a 7 ans pour et Sungabiso pour Namboka Oyo stabilité côté. La population congolaise tant que pour mettre à gratuité et enseignement, au moins que c'est réalisé. Et Nazali Kolinga ko martelé mingi dans le Cambo ya makambo ya coup d'état oyo et ko salama. Et Nazali ko senga mingi na mokonzi ya mboka na ba service ya sécurité ya mboka na biso va mettre un peu aux ala vigilant na surtout na ba frontière. Omoni eza maramusu tokolo bana baitando kete mais frontière na biso ya biti ngobila tuzali kusenga ba renforcer sécurité parce que ba mettre un peu ko sala changement surtout ya batoyo ayaki banda 1997 asala ka wana agent ti lelo azala kaka wana agent. Or, que l'agent n'a pas été jamais comme ça à 6 mois et une année. Donc, dans ce bongo, moni, makambo, biso tolobango, bongo, na moi un peu lycée, c'est pour, surtout, na ma moya droit, ce que le bélier au monde, il faut preuve palpable les alas. Mais, aux alis, qu'au sein de mon konza moka, chef de l'État, a wana zali ko loba lokola, agenté, na zali ko loba lokola, en politique, on gana zali. Frontière na biso ya bitingo bila. Il faut ba renforcer sécurité et ba sala changement ya ba gens. Mais les ape na ba quelques ba gens oyo bazali ko sa musala bango malamu na bosanité colonel Mike ngala benga ka lion un coup une flamme na bosanité major Torti bazali ko sa musala bango kitoko na bosanité AD Robert na bitingo bila numéro 1 ya immigration bazali ko sa musane qui est comme un cas, il faut que promouvoir Bango. Tu as une bonne sanité, Ndeko Nabiso, Mwambila,
il y a garde présidentielle, il n'y a pas allé pour ça là. Mais ça là, ma casse, c'est-à-dire qu'on veille toujours dans la frontière, il y a Bichingobila. Mais tout ça, c'est un changement. Ma gamme, on a allé pour l'Oba. Bah, il y a ma gamme, on a allé pour l'Oba. Changement, wana, il faut ça là. Tobosanité, major Raymond Bichingobila, il n'y a pas allé pour ça, Moussa Nekitoko, et puis chargé des opérations, il y a 5e A, il y a mon Rayébi, chef Léon. Bah, toi, bon, bah, ça, Moussa Kitoko. Au moins, il y a deux personnes, deux suspects, avant même à et Salam. Il y a Makamou et Bélé, tout le monde a été. Mais au bout de ce que la sécurité va renforcer Yango, Nabichi, Ngobila, Nazali, Kolobalokola, homme politique, Nazali, Kolobalokola, agenté, homme politique, Nazali, Kosinga, renforcement, il y a sécurité, Nabichi, Ngobila, Nabiso, parce que Bisso, Congo, Zabiso, Mokonzambo, Kaloba. Chaque Congolais place à Zali, agent, il y a renseignement, il y a Mbokanaye. Mais obisso tous ali ko loba, tous ali ko loba maramo, tous ali ko mona, to ebitina tous ali ko loba. Donc c'est un peu ça. Ngane na remercie ndeko na ngai pour passer une opportunité oyo. Soki mituna monsieur Zali otuna na ko loba kaka ndeko na ngai. Na bandi ete ba Congolais Donc, je suis invité à Pio, je suis le chef de l'État à Lingi, à l'ambre de la Malamu, Oyo, et que si on a besoin de la Bangou, c'est un peu qu'on s'est réalisé. Je suis Simeon Lukusa, acteur politique congolais, cadre de l'UNC. Les enjeux que devrait relever le bureau définitif de l'Assemblée nationale sera d'abord lié aux intérêts prioritaires de la République. Nous avons cette institution, l'Assemblée nationale, qui est une haute institution pour notre pays, représentant même les parlementaires et le fondamental même de la Constitution. Et voilà. Alors, moi, je pense que sur cette question de ce qui devrait être le prochain bureau, celui qui est bureau définitif, sera de réaliser cette grande mission dans la régularisation même des axes majeurs liés au bon fonctionnement de la République et au bon, à l'amélioration même des conditions des parlementaires. Puisque nous avons depuis un moment eu un blocage à ce niveau-là, au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a eu absence de plusieurs régulations dans les principes même fondamentaux à l'Assemblée nationale. Alors les enjeux premiers seront de réaliser ce qui sont dans les fondamentales, notamment reprendre les contrôles parlementaires, reprendre les enquêtes et résolutions parlementaires, et reprendre les votes et la promulgation même des lois. Et voilà, proposer des lois, des meilleures lois permettant à améliorer les conditions de vie des citoyens, de la population, ainsi que permettre au bon fonctionnement des parlementaires et de l'Assemblée nationale. Et la troisième matière, c'est avec Cyril l'installation. Donc nous sommes à la dernière matière de la session. Je crois que c'est qu'il faut relever.